Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Manuel Valls, alors vous avez un nouveau slogan, une République forte, une France juste. Mais exactement, Madame Gossuin. Une République forte et une France juste, c'est mon idéal. C'est ce que je me suis attelé à faire au gouvernement. Une République très forte, tellement forte qu'elle fait des 49-3 pour s'imposer comme un dictateur. Et une France juste avec des Français qui ont juste le droit de fermer leur gueule. Ok. Monsieur Fillon, bonjour, vous allez bien vous ? Arrêtez avec vos insinuations, Madame Gossuin. Pardon ? La vie est évidemment une chienlit et on va tous crever. Bah merci Monsieur Fillon, ça donne envie, mais vous n'avez pas tenu votre promesse d'annoncer les membres de votre gouvernement ? Certes, je ne les ai pas annoncés, mais j'en connais déjà les principaux membres. Ah. Je sais qui sera l'inquisiteur suprême, les 12 grands bourreaux, les 36 guillotineurs en chef et les 128 écarteleurs principaux. Je connais même déjà mon ministre de la chrétienté et des croisades et mon ministre de la purification par le feu. Génial. Vous voyez, je suis prêt à affronter la décadence de ce monde putréfié de toute la force de mes sourcils. Nous voilà rassurés. Marine Le Pen, de votre côté, vous avez fait savoir que vous vouliez supprimer les régions. Oui, Madame Gossuin, je veux supprimer certaines régions, notamment une, car il y en a assez de cette guerre de régions qui veut nous imposer son diktat fasciste et qui sème la mort chez nous. Je parle bien évidemment de la région musulmane. Vous voulez dire la religion musulmane ? Non. La région musulmane. C'est-à-dire que je veux supprimer toute la région située entre l'Afghanistan et Marseille. On embrasse Marseille. Angoisse. Nikos Aliagas, est-ce que vous êtes remis de votre compte à rebours raté sur TF1 le soir du Nouvel An ? Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous sur RMC. Alors en fait on est sur RFM Nikos et on dit bonjour plutôt parce qu'en fait il est 8h22 précisément. Ah oui bien sûr, pardon. Bonjour Stéphanie, bonjour Gilbert, salut Pascal. C'est vrai que j'ai un peu bugué sur le décompte pour la nouvelle année, mais l'important c'est que la soirée ait été un succès sur AFT. FT1 pardon. Non. F1T. Non. Non, T1F. Non. ATF. Non. En quoi qu'il en soit, Mélanie, Hubert, je vous souhaite une excellente année de 7010, de 10007, 2002. Enfin, bonne année, quoi. Excusez-moi, Madame Gossuin, si je peux me permettre. Oui, allons-y, Monsieur Sarkozy, je vous en prie. C'était juste pour dire qu'en fait, c'est Nikos Aliagas qui s'est occupé de mes comptes de campagne en 2007. À mon avis, c'est pour ça que les juges trouvent que c'est pas super clair, hein. Bonjour. Madame Gossuin, c'est François Hollande. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Ah, bonjour. C'était juste pour dire qu'en fait, c'est Nikos qui s'est occupé des sondages pour ma courbe de popularité. Donc en vrai, je suis à 95% de satisfaction. Les gens me kiffent de ouf. Je suis une putain de resta, Madame Gossuin. Et sinon, vous connaissez le point commun entre quelqu'un qui se tape le Nouvel An sur TF1 et quelqu'un qui se tape Albert ? Non, pas du tout. Eh bien, il y en a un qui a Nikos et l'autre qui a Mikos. C'est vraiment t'as fait tous Mikos, les jours. Mikos, I'm happy. Bim, 2017, année de la blagounette. Et on adore. Bonjour. Bonjour. Et bonjour Vincent Cassel, ça fait plaisir de vous recevoir en ce début d'année. Ouais, salut, c'est moi, ouais. Ça me fait peur. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Fais attention ce panneau, hein. Je suis ceinture noire de foot contact. D'un seul coup de pied, je peux détacher la tête pour marquer un corner entrant avec. Wow. Bon bah moi pour 2017, je voulais vous souhaiter à tous le meilleur. Ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus merveilleux. Enfin bref, je vous souhaite de me rencontrer. Bon je vous laisse, hein, j'ai mon cours d'astrophysique avec Stephen Hawking. Je dois expliquer à ce blaireau comment fonctionnent les trous noirs. J'ai pas que ça à faire moi. Ou j'écoute Sylvain à la radio, là, les infos. Et sinon, on accueille Laurent Ruquier ce matin sur FM. Comment ça va, Laurent ? Bonjour à tous et surtout bonjour au seigneur Albert. Ouais. Eh oui, Albert, c'est le seigneur d'Espagnol. Le seigneur d'Espagnol. J'espère que vous passerez une bonne année en France, dont l'emblème est le coq.
On peut donc dire que je viens de faire des vœux à la coque. Vous avez compris, Albert. Et si je l'ai fait en avril, ce sera des vœux de Pâques. Merci Laurent, allez, on enchaîne avec... On enchaîne avec Julien Doré. Vous venez de sortir, Julien, votre reprise en japonais de la javanaise de Gainsbourg. Des sushis sur la plage, kimono excentrique, sashimi qui prend de l'âge, une geisha trisomie. Oui, c'est-à-dire, Julien. Non. Menu B27, yakitori en brochette. Ne vous en déplaise, en dansant la japonaise. Bravo, Sylvain va s'étouffer. Ouais, c'est vrai. Oui. Bravo Marc-Antoine qui est en ce moment au théâtre du gymnase à Paris qui sera à nouveau. Il sera à nouveau cet après-midi sur RFM à 17h40 et de retour demain matin en direct à 8h20.